Les femmes Union progressiste de la commune de Dassazoumé ne sont pas restées en marge des festivités de la 27e édition de la Journée internationale de la femme. C'était en présence des membres de la coordination communale UP de Dassazoumé, des personnalités, leaders et cadres Union progressiste. Venues massivement à la place Egba Koukou, les femmes ont manifesté leur joie à travers les échanges enrichissants. Mais on dit, on doit y serrer, qu'il peut y aller à l'obérie. Mais si on a un peu de bataille, on dit, on doit y serrer, on doit y serrer. Oui, nous les femmes, nous avons constaté que la coutume, les traditions, les mœurs, les religions placées au second rang, les femmes depuis des décennies. Et aujourd'hui, il est temps que vous puissiez nous donner une place à vos côtés pour que nous puissions vous prouver nos capacités. Le dernier recensement de la population et de l'habitat en 2013 prouve que pour la commune de Dassazoumé, nous représentons plus de 51% de la population. Et pourquoi pas pour les postes de prise de décision, surtout en ce qui concerne les élections, nous n'allons pas nous allier derrière nous pour prouver notre amour pour nos sœurs. Pour cette fois-ci, nous saluons aussi les efforts, les grands efforts de nos députés, du président de la République, qui ont pu prendre des lois qui sont en faveur des femmes, surtout les femmes du Bénin, vraiment nous. Disons merci et nous demandons à nos aînés de bien vouloir respecter ces lois qui ont été prises par ces députés vis-à-vis des femmes du Bénin et surtout pour les femmes de Dassazoumé. Pour le coordonnateur communal, l'engagement est pris pour mieux accompagner les femmes dans leurs initiatives. Il les a par ailleurs invitées à plus de militantisme politique. Je voulais marquer notre solidarité à vos côtés, notre disponibilité pour vous accompagner, pour bénéficier au mieux de tout ce qui est prévu et destiné à vous en tant que femme. Et ce qui est prévu, il y a en dehors des lois, il y a ce que le gouvernement, à travers le programme d'action gouvernementale, prévoit. Mais n'oubliez pas, c'est pour 77 communes. Vous devez vous organiser. Et vous organiser revient à ce qu'il n'y ait pas de hameau, il n'y ait pas de village ou de quartier où la femme progressiste ne soit pas présente. Les cadres et leaders UP du Dassazoumé se disent fiers de l'engagement des femmes du parti Baobab. Pour eux, une avancée notable est faite dans la promotion de la femme et c'est à cette dernière de saisir les opportunités qui lui sont offertes. L'égalité aujourd'hui, oui, l'UP l'a compris très tôt en faisant en sorte que 30% au moins des structures de base du parti soient composées des femmes. C'est un grand pas. Les femmes, oui, nous voulons avoir des députés femmes. Nous voulons avoir des députés de qualité. Et ce que nous observons ici nous encourage et nous rassure. Vous, les femmes de l'UP, de la session de Dassazoumé, vous êtes des femmes de qualité. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Franchement, je suis satisfait de l'organisation. Je voudrais seulement remercier toutes ces femmes qui, dans nos contrées, travaillent pour l'émancipation, pour l'autonomisation de la femme. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire. Vous êtes nombreuses à avoir des ONG, des groupements de femmes, vous vous retrouvez, vous vous donnez des conseils, vous faites des formations, sensibilisation sur la gestion de vos activités génératrices de revenus. Tout ça, c'est pour que la femme puisse vraiment s'épanouir. Mais
Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, c'est autour de ce thème mondial que les échanges ont eu lieu. Cette 27e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme au sein de la coordination communale Union progressiste de Dassazoumé a été un moment de convivialité et de réflexion pour les prochaines joutes électorales, notamment les législatives de 2023.